le trio en vogue côté Paris Saint-Germain. Mbappé, Dembélé, Barcola, ils s'entendent de mieux en mieux dans la vie, oui, et surtout, et plus important encore, sur le terrain, Bastien Charlambard. C'est l'histoire d'un trio offensif, français, parisien, imbattable. Dembélé en ce moment, il est chaud, je sens qu'il a pris une nouvelle envergure. Bradley Barcola, c'est la belle surprise, mais là aujourd'hui, il est devenu essentiel. Ah, Kylian, il est au-dessus. Hein. Kylian, il est au-dessus de tout le monde. La ligne offensive, Mbappé, Dembélé, Barcola, alignée à 6 reprises, auteur de 90% des buts du Paris Saint-Germain. Mbappé pour Barcola, oh le petit piqué! Leur match référence, Lens, mi-janvier. C'est important d'avoir cette connexion. De plus en plus, on l'a, même avec nos milieux de terrain. Donc c'est bien, on travaille beaucoup aux entraînements. Je pense que c'est déjà beaucoup plus structuré. On voit au niveau de la structure, de l'organisation offensive, on voit les schémas, on voit qu'il y a quelque chose qui se dessine. Hein. Le football de transition, nouvelle arme développée en Ligue 1 par Luis Enrique. L'Espagnol et son trident, l'association parfaite pour passer un cap en Europe, selon l'ancien joueur et entraîneur parisien, Laurent Fournier. Ce que je trouve intéressant au Paris Saint-Germain, c'est ce jeu de percussion. Ce que vous permettez de mettre Mbappé dans l'axe, c'est que les deux joueurs sur le côté ont de la qualité. Après, on peut critiquer Luis Enrique, mais je pense qu'il ne se trompe pas là-dedans. Je crois que maintenant, le football, c'est d'aller le plus vite possible dans le camp adverse. Cette complicité sur et en dehors des terrains se vérifie côté statistique. Autour de Kylian Mbappé, le finisseur, aux 21 buts en Ligue 1. Ousmane Dembélé, le dynamiteur. 8 passes décisives, mais seulement un but. Oh, la frappe aux forces, premier poteau, Ousmane Dembélé. Et Bradley Barcola, 21 ans, l'international espoir français, révélation offensive parisienne de la saison. Ses qualités de percussion, de vitesse, le dribble bien entendu. Il est dans un club où le coach lui fait confiance et a envie d'organiser un système pour avoir Barcola sur le terrain, pour avoir Mbappé sur le terrain, pour avoir Dembélé sur le terrain. Et ça, c'est pas mal. J'arrive à montrer ce que j'ai vraiment envie de montrer au coach et à tout le monde. Donc oui, depuis que je commence à être titulaire, oui, je suis content de ce que je propose. Je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. Et si la BDM est alignée dans les grands matchs, le temps de jeu le montre. Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont pleinement impliqués. L'international français, arrivé l'été dernier, a un euro à aller chercher. Qu'il soit capable de mieux faire, oui. Je trouve, et je le redis, que les critiques, elles sont très dures, trop dures. Avec Kolo, Asensio, sans oublier Ramos, derrière le trio magique, Paris est armé, Rennes puis Monaco. Dernière répétition avant le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Dans ce trio, Bichente, il y a le générationnel, comme le disait tout à l'heure Kalimundo Endo et Mbappé, bien sûr, et puis il y a les deux autres. Oui, Mbappé, il est hors norme, on ne va pas en parler, on en a assez parlé. Oui. Non, Dembélé, sa capacité de dribble, pour moi, c'est un des meilleurs dribbleurs européens, sa qualité de vitesse d'accélération, le fait qu'il soit à la fois gaucher, droitier, il est insaisissable, c'est un cauchemar pour un défenseur. Et sa constance, oui. Sa constance au Paris Saint-Germain, vraiment très impressionné. J'ai un peu critiqué son manque de qualité dans la finition, mais il apporte tellement dans sa qualité de dribble et sa qualité de passe que c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Barcola, lui, il n'était pas attendu à ce niveau-là. Et c'est la révélation pour moi. Ce que j'aime chez lui, c'est calme et tempête. C'est-à-dire qu'il a des moments comme ça où tu as l'impression même qu'il est sorti du match et puis tout d'un coup, il va mettre une accélération et je trouve qu'il gère bien ses temps de jeu. Et il a un super potentiel et il a mis sur le banc des joueurs comme Kolo Muani ou comme Ramos. Donc, c'est quand même exceptionnel. Est-ce que Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, c'est un trio capable de remporter la LDC cette saison? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du trio du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot. Ici nous on est passionné par le foot. Le foot c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, surtout si tu aimes ce genre de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on est parti. Alors, est-ce que le trio Barcola, Bradley Barcola, Kylian Mbappé en pointe et Ousmane Dembélé sur le côté droit
Est-ce que c'est un trio capable de remporter la LDC cette saison, les amis? Vous savez que le PSG a perdu Messi, Neymar, Marco Verratti, surtout Messi et Neymar. Ils ont perdu Messi et Neymar et ils l'ont remplacé plus ou moins par Colomani, par Gonçalo Ramos, par Bradley Barcola, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé. Bref, lorsque tu compares en termes de talent intrinsèque, on est bien d'accord, Messi et Neymar, pour moi, ils sont largement au-dessus de Bradley Barcola ou encore Ousmane Dembélé. On est d'accord. Donc, ce qui me fait dire que pour moi, ce trio-là est plus faible. C'est plus faible que le trio Neymar, Messi, Kylian Mbappé. C'est plus faible. Mais est-ce qu'en termes de collectif, c'est pas plus collectif que le trio Neymar, Messi et Kylian Mbappé? Moi, je pense que c'est plus collectif et c'est plus équilibré. On a des mecs qui défendent. Des mecs comme les Barcola, Ousmane Dembélé. Ça défend comme des chiens. Ça défend comme des morts de chiens, les gars. Comme des morts de feu. Donc, moi, je pense que, en termes de talent intrinsèque, le trio Messi, Neymar et Kylian Mbappé, pour moi, ils sont au-dessus de Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Mais en termes d'équilibre et en termes de collectif, pour moi, je mets légèrement Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ce trio-là, parce que ça démontre plus d'organisation, plus de collectif. Donc, je le mets légèrement au-dessus. Mais si tu me poses la question purement, je préfère le trio Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Ça fait plus rêver, ça fait plus saliver. Tu as l'impression que ces mecs-là peuvent te débloquer au match. Ils peuvent te débloquer au match à tout moment. Tu as l'impression que avec ces trois mecs-là devant, rien ne peut t'arriver. Bref, il y a vraiment des choses. Lorsque tu vois ces mecs-là devant, Messi, Neymar et Kylian Mbappé, tu as l'impression que ton équipe est invincible. Tu as l'impression là. Mais dans l'équilibre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et on l'a vu avec Christophe Gadji. C'est un PSG qui prenait beaucoup l'eau, notamment au milieu. C'est un PSG qui n'arrivait pas à être équilibré. Ça manquait beaucoup d'équilibre. Et Gadji, même, il a dit, Christophe Gadji, il a dit, il a passé tout son temps au PSG rien que pour chercher l'équilibre. Il a passé son temps au PSG rien que pour chercher l'équilibre. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'équilibre avec ces trois-là. Parce que tu as un Messi qui ne défend pas. Tu as Neymar qui défend moins. Kylian qui ne défend pas. Donc, du coup, c'est très difficile de trouver vraiment l'équilibre. Après, est-ce que ce trio-là, le trio Barcola, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, est-ce que ça peut remporter la LDC cette saison? Pour moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais après, tout peut arriver, les amis. Tout peut arriver, mais moi, je n'y crois pas parce que je trouve que c'est un peu léger au très, très haut niveau. C'est un peu léger au très, très haut niveau. Lorsque moi, je vois Barcola, les amis, pour moi, ce n'est pas encore mature. Ça rate encore trop d'occasions devant les buffets, ça percute et tout, mais ça rate encore beaucoup d'occasions. Et c'est aussi le cas pour Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est le meilleur dribbleur, ou bien l'un des meilleurs dribbleurs du monde. Mais dans la finition, ça manque de justesse, ça manque d'efficacité. Donc, ce qui me fait dire que ce PSG-là, les amis, pour moi, c'est trop léger. Parce qu'au final, tu as presque seulement Kylian Mbappé pour finir les occasions. Et au très très haut niveau, à mon avis, ça sera limité. Parce que lorsque tu vas tomber sur une équipe qui va parfaitement barrer Kylian Mbappé, qui va parfaitement marquer Kylian Mbappé, ça sera vraiment très compliqué pour le PSG derrière. Ça sera très compliqué pour le PSG. Donc, pour moi, au très très haut niveau, ce trio-là, moi, je n'y crois pas pour une victoire en LDC cette saison. Peut-être la saison prochaine, ça pourra mûrir, ça pourra grandir, mais cette saison, moi, je n'y crois pas. Après, dans le foot, tout peut absolument arriver. Partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu crois vraiment à ce trio pour remporter la LDC cette saison? Donne-moi ton retour en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.